Janvier 1945 marque le début de la sixième année de la plus sanglante et de la plus destructrice guerre de l'histoire de l'humanité. En Europe, l'espoir optimiste de gagner la guerre avant Noël, ce que les Britanniques et les Américains envisageaient en septembre 1944, avait été réduit à néant par la féroce résistance des Allemands. L'avancée des armées dirigées par le général Eisenhower, commandant suprême des Alliés en Europe, avait été ralentie par des problèmes de logistique et un hiver rigoureux. Bien que ces derniers fussent persuadés que la victoire était désormais proche, la course vers Berlin allait s'avérer difficile. Les troupes russes, anglaises et américaines s'approchaient de plus en plus de la capitale allemande. Les premiers mois de 1944 vont voir se dérouler quelques-unes des batailles les plus brutales de la Seconde Guerre mondiale. Ce constat est également vrai pour le front du Pacifique, car la lutte pour balayer l'armée impériale japonaise était loin d'être terminée. Les Américains et leurs alliés préparaient désormais une attaque sur le sol japonais. L'espoir d'une victoire proche était maintenant ancré dans les esprits. Cependant, tant que les troupes allemandes et japonaises refusaient de se rendre, combattant courageusement alors même que la défaite était inéluctable, des mois de bataille et la perte de très nombreuses vies seraient encore nécessaires avant de pouvoir fêter la victoire. L'idée de reconstruire l'Europe était maintenant la première préoccupation. Mais des fissures commençaient à apparaître entre les trois principales puissances. Les principes démocratiques des États-Unis et de la Grande-Bretagne étaient en opposition directe avec le régime communiste brutal de Joseph Staline. La course vers Berlin était désormais engagée non seulement pour battre Hitler, mais elle s'avérait aussi primordiale pour la division de ce territoire dans l'immédiat après-guerre. À ce stade de la guerre, il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant une conclusion victorieuse. À l'aube de la nouvelle année 1945, tous les yeux étaient tournés vers la bataille des Ardennes qui faisait encore rage. Deux semaines avant, le 16 décembre 1944, un secteur calme et faiblement défendu du secteur américain sur la frontière belgo-allemande se retrouva soudainement au cœur d'une offensive allemande généralisée. Les collines et les forêts des Ardennes, où s'était déjà déroulée l'attaque éclair de mai 1940, ont une fois de plus résonné des tonnerres de l'artillerie et du raclement des chenilles des panzers à l'occasion de ce qui était la dernière tentative désespérée d'Hitler sur le front ouest. Les Allemands poussèrent vers la Belgique car l'objectif immédiat d'Hitler était la Meuse, mais sa véritable cible stratégique était le port d'Anvers à 150 km de là. La perte de ce site logistique majeur aurait été catastrophique pour les armées d'Eisenhower. Il y avait un risque encore plus grand d'encerclement et de destruction des troupes américaines. Avec seulement trois divisions d'infanterie américaine en face d'un demi-million de soldats allemands, soutenus par presque 1000 chars et pièces d'artillerie, l'attaque surprise fut un succès immédiat. En dépit de la résistance acharnée des troupes américaines après 7 jours de combat, l'opération Wartenheim avait créé dans la ligne américaine un véritable saillant de 100 km de largeur et 70 km de profondeur. C'est la raison pour laquelle les Anglo-Saxons l'appellent « The Battle of the Bulge », la bataille du saillant. Jour après jour, les renforts américains arrivaient pour défendre la zone. Hitler réalisait alors qu'en dépit de son avantage initial, il avait largement sous-estimé la puissance et la résistance de son adversaire.
Les commandants des 5e et 6e armées des Panzer-SS comprirent vite que leurs troupes n'étaient pas assez fortes pour atteindre Anvers, ni même la Meuse. Le carburant diminuait. Les attaques aériennes alliées contre les routes d'approvisionnement s'intensifièrent et l'avance de la 6e Panzer marqua le pas. Le jour de Noël, l'offensive dans les Ardennes était stoppée. Pendant ce temps, de l'autre côté du globe, les Japonais luttaient toujours pour contrecarrer l'avance alliée. La fin 1944 avait vu l'Empire japonais se réduire encore un peu plus. Au nord de la Birmanie, l'armée britannique conduite par le général Bill Slim, soutenue par l'aviation américaine, avait planifié une offensive pour reprendre tout le pays. Plus à l'est, une importante force amphibie basée dans les îles Mariannes et en Nouvelle-Guinée avait envahi Leyte, dans la chaîne des îles des Philippines, longue de 1600 km. Contraint mais désespéré à l'idée d'abandonner ses troupes affrontant les Japonais, MacArthur avait juré « Je reviendrai ». Il tint parole et le 20 octobre 1944, il débarquait aux Philippines, envahissant l'île de Leyte. L'US Navy avait quelques comptes à régler et lors de la bataille du golfe de Leyte, elle balaya pratiquement toute la marine japonaise, dont ses porte-avions restants. À la satisfaction des commandants américains, cette victoire constituait la revanche de l'attaque contre Pearl Harbor. En novembre 1944, la métropole japonaise avait commencé à subir directement les effets de la guerre. Depuis les aérodromes des îles Mariannes, à plus de 2000 km de là, les bombardiers géants à long rayon d'action, B-29 Super Fortress, lançaient leur premier raid contre Tokyo et d'autres villes japonaises. L'étape suivante de la campagne du Pacifique était l'assaut contre les îles d'Iojima et d'Okinawa. Les Américains se réjouissaient de leurs avancées dans le Pacifique. Loin de là, à Moscou, Staline était également content de la tournure que prenaient les événements. Les Américains et les Britanniques étant engagés dans les Ardennes contre les Panzers de la Wehrmacht, l'armée rouge pouvait mobiliser toutes ses réserves pour une attaque massive en Pologne. L'objectif principal des Soviétiques était de reprendre les mines de charbon et de fer de Silésie, la plus orientale des régions industrielles allemandes. Sentant le parfum de la victoire finale, Staline avait dans sa ligne de mire Berlin. De la façon dont les choses se déroulaient, l'armée rouge y serait des mois avant les Américains et les Britanniques. Le 1er janvier 1945, sur une douzaine de champs de bataille dans le monde entier,
fut un jour de mort et de destruction de plus. En Europe de l'Ouest, la bataille faisait rage dans les Ardennes. La tentative allemande pour prendre Anvers au nord avait échoué, mais la 5e armée de Panzer, qui avait déferlé au cœur des Ardennes, se battait encore pour la prise de Bastogne, une ville belge vers laquelle le réseau routier des Ardennes convergeait. S'en emparer ouvrirait la route vers la Meuse. Malheureusement pour les Allemands, les Américains qui défendaient la ville appartenaient à la 101e division aéroportée, peut-être les meilleurs soldats de toute l'armée américaine. Fin décembre, ils avaient été rejoints par 3 divisions de la 3e armée américaine, envoyées là par le général Patton, surnommé Blood and Guts. Motivés par leur commandant haut en couleur, qui leur ordonna de conduire comme des cinglés leurs chars et leurs véhicules pour réussir à passer à travers les lignes de la 5e armée de Panzer, ils parvinrent à désenclaver Bastogne de l'étau allemand entre Noël et le jour de l'an. Cependant, la bataille des Ardennes était loin d'être terminée, et les affrontements les plus sanglants de cet hiver 44-45 étaient à venir. Refusant d'abandonner le combat, la 5e armée de Panzer lança en janvier de nouveaux assauts contre les troupes américaines désormais fortes de 6 divisions. Hitler avait d'autres plans qu'il espérait mettre à exécution pour balayer les défenses alliées. Dans la matinée du 1er janvier, des centaines de chasseurs bombardiers de la Luftwaffe investirent le ciel au-dessus de la Belgique et du sud des Pays-Bas. La contribution du chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, à l'offensive terrestre dans les Ardennes, l'opération Bodenplatte, arrivait enfin. Fonçant à basse altitude au-dessus de la campagne, les attaquants arrosèrent les aérodromes de bombes et de mitrailles et en quelques heures, 465 avions britanniques et américains avaient été détruits ou gravement endommagés. Cependant, le coût pour les aviateurs de Göring avait été extrêmement élevé. 277 avions allemands avaient été abattus. Mais les aviations alliées pouvaient facilement remplacer les avions perdus, alors que la Luftwaffe se trouvait dans l'incapacité de remplacer les pilotes expérimentés perdus dans cette opération. Ce fut un jour de nouvel an particulièrement agité pour les Allemands, car de violents combats furent engagés sur la ligne de front entre la Sarre et la Suisse au cours de l'opération Vent du Nord, la dernière offensive d'Hitler à l'ouest. Prévus pour exploiter les difficultés d'Eisenhower dans les Ardennes, les soldats de 2 groupes d'armées déferlèrent sur les positions tenues par des troupes américaines et françaises le long d'un front d'une centaine de kilomètres en Alsace et en Lorraine. Cependant, à la différence de l'offensive surprise des Ardennes, cette fois-ci, les Alliés étaient prêts, et bien que les Allemands soient parvenus à gagner un peu de terrain, ils n'atteignirent pas leurs objectifs. Ayant échoué à détourner les troupes alliées des Ardennes vers le front plus au sud de l'Alsace-Lorraine, vers le 6 janvier, les Allemands avaient abandonné tout espoir de prendre Bastogne. Ceci donna l'opportunité à Eisenhower de rassembler ses forces autour des 2 flancs du saillant des Ardennes. Au nord, les troupes américaines et britanniques étaient sous le commandement de Montgomery avec le 21e groupe d'armée, et au sud, la 3e armée américaine était sous les ordres de Patton.
Ils reçurent l'ordre d'Eisenhower de lancer une attaque convergente contre la Wehrmacht dans les Ardennes, avec comme objectif immédiat le nœud routier de la ville d'Oufalis. Seuls 40 km séparaient les troupes de Montgomery des troupes de Patton. Mais à des températures bien en dessous de zéro, des conditions hivernales particulièrement rigoureuses ralentissaient la progression, réduite à 2 km par jour. Les routes gelées freinaient les chars et les unités motorisées. Les moteurs gelaient et les fantassins découvraient que leurs fusils et leurs mitrailleuses ne fonctionnaient plus. Il y avait en plus le risque des mines cachées sous la neige qui représentaient aussi une très sérieuse menace. Les soldats alliés étaient peu entraînés à avancer dans une neige épaisse et sur des routes gelées. Les Allemands, par contre, avaient déjà connu des hivers extrêmes en Russie et étaient mieux préparés à ces conditions de combat. Mais en dépit des problèmes posés aux Alliés par ces conditions météo, Hitler se rendit compte que le jeu était terminé dans les Ardennes. Le 8 janvier 1945, il donna aux officiers de première ligne l'autorisation de quitter le saillant à l'ouest d'Oufalis et sept divisions de Panzer, en piteux état, reculèrent à travers la ville tandis que l'artillerie alliée frappait leur ligne de retraite. Les troupes de Montgomery et Patton poursuivirent les troupes allemandes en retraite et vers le 16 janvier, ils reprirent Oufalis. À la fin du mois, les lignes de front alliées étaient à nouveau les mêmes que 6 semaines auparavant. Le pari d'Hitler dans les Ardennes avait échoué et l'opération Wachenheim avait eu pour conséquence de lourdes pertes dans les deux camps. Les Allemands avaient perdu 91 000 hommes et bien que les Alliés aient gagné la bataille, ils n'avaient pas été épargnés. Au sein des troupes américaines, les pertes étaient de 89 000 hommes, dont 19 000 tués. La bataille des Ardennes s'avérait donc comme la plus coûteuse campagne de la Seconde Guerre mondiale. Cet engagement n'a pas eu que des conséquences sur le bilan en pertes humaines. Il révéla de surcroît un certain nombre de problèmes internes au sein du haut commandement allié, sous-jacent depuis un certain temps. Quatre jours après le début de l'offensive dans les Ardennes, Eisenhower avait donné l'ordre à Montgomery de prendre le commandement temporaire de toutes les forces britanniques et américaines dans la partie nord des Ardennes. Sur le plan militaire, cette décision était parfaitement sensée, car l'offensive allemande avait mis à mal la chaîne de commandement américaine. Pourtant, cette décision ne fut pas accueillie de gaieté de cœur. Le général américain, Omar Bradley, réputé pour bien s'entendre avec tout le monde, détestait Montgomery, car il avait eu des difficultés à travailler avec lui dans le passé. Il protesta violemment. Bien que Montgomery ait stabilisé rapidement la situation au nord des Ardennes, son attitude arrogante heurta les Américains. Après avoir dit aux généraux américains que seule leur stratégie était la cause de la crise en cours, il les rendit encore plus furieux lors d'une conférence de presse le 7 janvier en alléguant que c'était lui et lui seul qui leur avait évité le désastre. Livides de rage, Bradley et Patton menacèrent de démissionner à moins que Montgomery ne soit relevé de son commandement dans le nord des Ardennes. Pour apaiser les choses, Montgomery fit des excuses pour ses remarques peu amènes, ce qui lui permit de conserver son poste. Les ressentiments ne s'étaient pas pour autant dissipés alors qu'il fallait décider d'une nouvelle orientation stratégique.
Les Britanniques, dont Montgomery, soutenu par Churchill et ses conseillers militaires, continuaient de se prononcer en faveur d'une opération rapide, dirigée en priorité vers la capitale allemande, Berlin. Eisenhower, lui, n'était pas enclin à opter pour une telle manœuvre, spécialement parce que les troupes américaines étaient désormais supérieures en nombre, dans le rapport de 3 à 1 aux troupes britanniques en Europe. De son côté, Staline suivait son propre calendrier. Depuis août 1944, de puissantes forces allemandes avaient bloqué les soviétiques en Pologne à 800 km à l'est de Berlin. Du coup, au lieu de pousser vers la capitale, Staline avait décidé d'envahir les États des Balkans au sud-est de l'Europe. Prenant le dessus sur les troupes allemandes plus faibles, les troupes soviétiques pénétrèrent en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, s'emparant des champs pétrolifères de Ploesti, vitaux pour l'économie de guerre du Troisième Reich, et déclenchant la chute des régimes pro-nazis de Bucarest et de Sofia. En novembre 1944, Belgrade, la capitale yougoslave, était tombée aux mains de l'armée rouge et des partisans communistes locaux. Dans les mois qui suivirent, les forces soviétiques, progressant à travers les plaines hongroises, ne purent s'emparer de la capitale Budapest, car l'armée hongroise, soutenue par d'importants renforts allemands, combattit avec acharnement. Le haut commandement allemand observait le renforcement de l'armée rouge sur le front de la Vistule en Pologne centrale avec une angoisse grandissante. Le groupe d'armée A, responsable de la défense de ce secteur, se montait à seulement 400 000 hommes et un peu moins d'un millier de chars. C'était une situation désespérée. Vers la fin décembre, le chef d'état-major, le général Heinz Guderian, plaida auprès d'Hitler pour l'arrêt des combats dans les Ardennes et l'envoi plus important de renforts sur le front à l'est. Le Führer ignora cette requête. Il était de plus en plus coupé de la réalité et inconscient de la dégradation de la situation. Lorsqu'au début de la nouvelle année, il reçut un rapport du renseignement militaire allemand identifiant pas moins de 225 divisions d'infanterie et 22 corps blindés en ordre de bataille pour l'armée rouge sur le front Est, il s'exclama « Qui est responsable de ce ramassis de foutaises ? Qui que ce soit, il devra être envoyé à l'asile d'aliénés. » En fait, l'armée rouge était 5 fois supérieure aux 400 000 soldats allemands du groupe d'armée A. Le 12 janvier, l'offensive soviétique tant redoutée débuta. Un terrible barrage d'artillerie brisa le silence et durant les 72 heures qui suivirent, trois groupes d'armée soviétiques, soit 3 millions de soldats, 10 000 chars, 20 000 pièces d'artillerie et 7 000 avions passèrent la Vistule. Leurs objectifs principaux étaient les mines de fer et les aciéries de Haute-Silésie, l'une des zones industrielles allemandes qui avait été relativement épargnée par les bombardements alliés. En réalité, Staline et ses conseillers militaires les plus proches avaient une toute autre idée en tête. Ils étaient déterminés à prendre Berlin avant les Britanniques et les Américains. Trois chefs soviétiques reconnus avaient reçu la mission de conduire l'armée rouge jusqu'à la capitale allemande pour combler les espoirs et les rêves de Staline.
Les maréchaux Koniev et Rokossovski et le plus célèbre d'entre eux, le maréchal Yukov. Ensemble, ils allaient déferler sur la Pologne, se rapprochant jour après jour de Berlin. Le 7 janvier, la capitale polonaise, Varsovie, avait été prise. Alors que l'armée rouge poursuivait son avance, les civils allemands de toutes les régions de l'est de l'Allemagne commencèrent à fuir. De plus en plus de territoires tombaient. Les gardes nazis des camps de travail et d'extermination se joignaient à l'exode vers l'ouest, et avec eux des centaines de milliers de travailleurs forcés juifs. Affamés et épuisés par les maladies, des milliers d'entre eux moururent dans cette marche pathétique dans la neige et le froid. La plupart de ces hommes, à bout de force, venaient du célèbre camp d'Auschwitz, qui fut rapidement libéré par les soviétiques. Seul un petit millier de prisonniers étaient restés sur place lorsque les soldats arrivèrent le 27 janvier 1945. Les ruines des chambres à gaz et des fours crématoires révélèrent l'étendue réelle des atrocités inimaginables commises par les nazis. Au moins 1,5 million de personnes sont mortes à Auschwitz. Pour ceux qui ont libéré le camp, pénétrer entre ses murs fut sans aucun doute une expérience terrible et ineffaçable. L'avance soviétique n'en ralentit pas pour autant. Le règne de terreur d'Hitler allait inexorablement vers sa fin. L'armée rouge continuait sa marche vers l'ouest, créant chez les Allemands une onde de terreur. Les Russes franchirent ce qui avait été la frontière germano-polonaise d'avant-guerre. Le 31 janvier, Yukov, en pointe, atteint l'Oder à Köstrin et le 13 février, le premier front ukrainien de Koniev le rejoignit, créant un front de 75 km de large le long de la rivière Neiss. En 4 semaines à peine, l'armée rouge avait progressé de près de 600 km et les troupes soviétiques étaient désormais à une centaine de kilomètres de Berlin. Toute l'Europe de l'Est était désormais sous contrôle soviétique. Staline était en pleine confiance et en position de force. Il ne faisait aucun doute que l'Allemagne courait à une défaite imminente. Américains et Britanniques tenaient leur position dans l'Ouest. Churchill et Roosevelt entamaient les discussions concernant les phases finales du conflit, la restauration de l'ordre dans l'Europe d'après-guerre. Au début février 1945, Staline persuada Churchill et Roosevelt de venir jusqu'en Union soviétique afin de le rencontrer sur les bords de la mer Noire, à Yalta, en Crimée. Le président américain était désireux de consolider ses relations avec le chef soviétique. Sous son apparence joyeuse, lorsque Winston Churchill arriva à l'aérodrome, il nourrissait une profonde méfiance sur les intentions de Staline. Cependant, il fallait signer certains accords en laissant de côté les opinions personnelles. Le 4 février 1945, les trois leaders et leurs principaux conseillers militaires et diplomatiques se retrouvèrent au palais Livadia pour d'intenses négociations qui allaient durer 8 jours. Ironiquement, le premier point à l'ordre du jour concernait la Pologne, la nation que Hitler avait envahie en 1939, forçant les Britanniques et les Français à déclarer la guerre à l'Allemagne. Churchill insistait pour que des élections libres soient tenues par les Polonais. In fine, Churchill et le président américain obtinrent que toutes les nations d'Europe libérées
et droit aux élections démocratiques. Ce qui était de la plus haute importance pour Roosevelt était de s'assurer que Staline adhère au nouvel organisme mondial, les Nations Unies, et aussi qu'il maintienne sa participation à la guerre contre le Japon. Staline accepta de s'engager dans la guerre contre le Japon 3 mois après la défaite de l'Allemagne, tout comme il accepta de rejoindre les Nations Unies. Cependant, il exigea le prix fort pour sa participation à la guerre du Pacifique. Pour commencer, Staline demanda la reconnaissance des intérêts soviétiques en Mongolie et en Mandchourie, qui faisaient initialement partie de la Chine. Il demanda également l'accès à Port Arthur, en Corée, et la possession des îles Kouriles, alors occupées par les Japonais. Les responsables militaires de Roosevelt émirent des réserves à propos de ces demandes, mais leur président donna son accord à chacune de ces exigences. À la fin de la conférence de Yalta, Staline avait obtenu exactement ce qu'il voulait. Après que la guerre ait pris fin, l'Amérique et l'Angleterre réalisèrent qu'un monde démocratique et libéral était la dernière des préoccupations du chef soviétique. Sous son contrôle, l'Europe de l'Est allait doucement s'engluer dans le communisme. Cependant, à ce stade final de la guerre et envisageant l'avenir immédiat de l'Allemagne, les trois grands étaient d'accord. Ils n'accepteraient rien d'autre qu'une capitulation inconditionnelle. L'armée rouge était prête à attaquer Berlin depuis l'Est. Staline demanda aux Britanniques et aux Américains d'apporter une aide substantielle à ses troupes. D'importants bombardements alliés contre les nœuds ferroviaires dans l'est de l'Allemagne pourraient interrompre le flux des renforts allemands vers les troupes faisant face à Yukov et Konieff. En Angleterre et en Italie, des milliers de bombardiers étaient disponibles pour ces opérations. C'était donc un souhait urgent auquel les Alliés pouvaient répondre facilement et positivement. Une cible focalisa toute l'attention des chefs du bombardement allié. Il s'agissait de la ville allemande de Dresde. Célèbre pour ses nombreuses splendeurs architecturales, dont un grand nombre de palais, et qui était admirée en tant que joyau baroque sur l'Elbe. Mais tout autant que ville artistique, Dresde était également un centre industriel, participant activement à l'effort de guerre allemand et bénéficiant d'un centre ferroviaire régional important. Elle avait jusqu'à présent échappé aux bombardements alliés en raison de son éloignement des bases de la RAF, mais après la conférence de Yalta, les choses allaient changer. Au cours des 13 et 14 février, 700 bombardiers lourds de la RAF décollèrent en direction de la ville. Des milliers de bombes incendiaires et explosives furent larguées sur les rues et les avenues élégantes de Dresde, et une terrible tempête de feu éclata. Avant même que le bombardement ne s'achève, la ville était réduite en cendres et en ruines, et des milliers de personnes avaient péri. D'après les chiffres officiels, de 21 000 à 35 000 personnes avaient été tuées, mais les voies ferrées qui étaient les cibles du raid restaient intactes. La destruction de Dresde n'affecta donc pas le cours de la guerre. En revanche, le bilan humain présenté par le responsable de la propagande nazie, Joseph Goebbels, représentait une belle opportunité d'embarrasser le bomber commande et son chef, le maréchal Sir Arthur Harris, surnommé Bomber Harris. Outre la destruction des magnifiques palais et de la cathédrale de la ville, des rumeurs faisant état de 200 000 morts volontairement exagérées par les services de Goebbels circulaient dans les journaux des pays neutres, la Suède et la Suisse. Le Foreign Office en fut informé.
Les ravages causés par les bombardements alliés n'étaient pas confinés à la seule Europe. En effet, loin de là, dans le Pacifique, le général Curtis LeMay lançait également des attaques contre les villes du Japon qui s'avéraient tout aussi horribles que le bombardement de Dresde. Les bombardiers géants B-29 Super Fortress visaient Tokyo et les autres villes japonaises depuis leur base des îles Mariannes depuis novembre 1944. Mais ces attaques ne s'avéraient pas aussi efficaces que LeMay l'espérait. Et en janvier 1945, il décida de changer de stratégie. La majorité des habitants des villes et des cités japonaises vivaient dans des maisons de bois et de papier. LeMay comprit donc que les bombes incendiaires causeraient les dégâts les plus importants. Il estima que les attaques nocturnes à basse altitude seraient plus efficaces que les raids de jour à haute altitude. Le 24 février, 11 jours après l'anéantissement de Dresde, les Américains lancèrent leur premier raid nocturne contre Tokyo avec 170 B-29 chargés en bombes incendiaires. L'incendie qui en résulta détruisit 250 hectares de la ville et ce n'était que le début. Deux semaines plus tard, dans la nuit du 9 mars, LeMay organisa une encore plus grande attaque contre la capitale japonaise, mobilisant 325 B-29. Leurs soutes étaient pleines de bombes au magnésium hautement inflammables, au phosphore ou au napalm. Leurs armes défensives étaient enlevées pour augmenter à la fois leur rayon d'action et leur capacité d'emport. Lorsque les avions décollèrent, les conditions météo étaient parfaites. L'air était sec et de forts vents soufflaient, ce qui devait permettre l'extension rapide des incendies dans la ville. Volant en formation s'étalant de 5 à 9 000 pieds au-dessus de la cible pour tromper l'artillerie anti-aérienne, les bombardiers américains approchèrent de la ville. Près de 1700 tonnes de bombes incendiaires furent larguées sur la ville en 3 heures. Les vents forts attisèrent les flammes et le feu commença à s'étendre, alimenté par les maisons en bois. Des dizaines de milliers de personnes tentaient de s'échapper, mais leur route était bloquée par des murs de feu. Elles avaient peu d'espoir de survivre. 4000 hectares de ville furent consumés par les flammes et lorsque le jour se leva, les corps étaient devenus cendres. Plus de 100 000 personnes avaient péri dans les flammes. Ce qui avait été le raid aérien le plus mortel de toute la guerre avait coûté à l'aviation américaine seulement 14 B-29. Entre mars 1945 et le 15 août, lorsque les Japonais finirent par se rendre, les équipages de bombardiers de Curtis LeMay allaient détruire 64 villes japonaises, 2,5 millions de maisons et mettre à mal l'industrie militaire du pays. Les Japonais estiment le coût humain de ces bombardements à plus d'un million de personnes. 70 ans plus tard, la controverse engendrée par les raids incendiaires contre Dresde et Tokyo continue de faire rage. À l'époque, les avocats de la tactique du tapis de bombe, le maréchal Bomber Harris et le général LeMay, la justifiaient en expliquant qu'elle avait aidé à gagner la guerre en brisant le moral de l'ennemi. Malgré tout, en 1945, le Japon ne donnait aucun signe de reddition. Bien que les Alliés soient en passe de récupérer de nombreux territoires aux mains de l'Empire du Soleil Levant, d'autres batailles étaient encore prévisibles. Les troupes américaines continuaient à combattre pour reprendre les terres qu'elles avaient perdues depuis le déclenchement des hostilités.
En janvier 1945, le général MacArthur était sur le point de lancer l'étape suivante pour reprendre les Philippines. Leyte et Mindoro étant déjà reprises, la prochaine étape de la campagne, véritable revanche de la défaite de 1942, était l'invasion de Luzon, la plus grande île de la chaîne des Philippines. Le 9 janvier 1945, 175 000 soldats américains de la 6e armée du général Walter Kruger débarquèrent sur la côte sud du golfe de Lingayen à Luzon. Défenseur de ce territoire japonais, le général Yamashita était informé que les troupes américaines étaient supérieures en termes de puissance de feu et de mobilité. Il donna donc l'ordre à ses 170 000 soldats de se retirer au cœur de la jungle, d'où il pensait avoir une meilleure opportunité de prendre le dessus sur ses adversaires. Mais malgré les combats incessants durant tout le mois de janvier, au dernier jour, Kruger et son armée étaient proches de la capitale des Philippines, Manille. Les Japonais se rendaient compte que l'île était en train de leur échapper. Pendant ce temps, un second débarquement effectué par des troupes aéroportées et une force amphibie importante était venu soutenir l'armée de Kruger. Le 3 février, les premières troupes américaines entraient dans Manille. Trois ans plus tôt, les soldats américains, battus, avaient défilé dans les rues de Manille avec à leur tête leur général Jonathan Wainwright, débraillé sous le regard des Japonais triomphants. Ceux qui avaient survécu à l'enfer de ces dernières années étaient toujours prisonniers aux côtés de nombreux civils. Libérer ces milliers d'hommes qui souffraient toujours dans les camps japonais était un objectif prioritaire pour Kruger. Alors que les 1er et 8e divisions de cavalerie américaine et des partisans philippins avançaient dans les faubourgs du nord de la ville, 6000 civils philippins et des citoyens américains et du Commonwealth britannique furent découverts, internés à l'université de Santo Tomas, ainsi que 1000 prisonniers de guerre à la prison de Bilibid. Pendant ce temps, deux raids commando organisés par les forces spéciales américaines libérèrent des centaines de captifs affamés et maltraités des camps de Cabanatuan et Los Banos. Les combats éclataient partout dans la ville, mais les prisonniers furent rapidement libérés et mis à l'abri. Tous les efforts furent concentrés sur la prise de contrôle de Manille. Ironie de l'histoire, tout comme MacArthur en décembre 1941, Yamashita avait voulu épargner la belle capitale des Philippines de la destruction et avait donné l'ordre à ses troupes de sortir de la ville. Pourtant, 16 000 hommes de troupes de marine japonaises et presque 4 000 fantassins conduits par le vice-amiral Iwabuchi désobéirent aux ordres et réoccupèrent la ville. Les combats s'intensifièrent dans ceux qui allaient être retenus par les livres d'histoire comme la pire bataille urbaine du théâtre d'opération du Pacifique. La population civile de Manille se trouva prise entre les tirs croisés. Beaucoup furent tués, des milliers furent fusillés ou passés au fil de la baïonnette par les hommes d'Iwabuchi, pris de folie meurtrière. Les femmes et les jeunes filles philippines étaient pourchassées, violées et assassinées en masse. Les Américains continuaient à attaquer la ville par des raids aériens et des attaques de blindés causant encore plus de pertes humaines. Les combats ne se terminèrent pas avant le 3 mars, lorsque la garnison japonaise fut entièrement balayée. Les pertes civiles avaient atteint des chiffres effrayants. Pour les Philippins comme pour les Américains, la victoire s'était payée cher. Les Américains avaient perdu 6000 hommes, dont 1000 tués. Et la ville ayant été pratiquement rasée, les pertes civiles étaient estimées à au moins 100 000. C'était une épreuve terrible pour le peuple de Manille. Les Américains tentaient de rétablir l'ordre et les civils de reconstruire leur vie, tandis que les opérations alliées pour envahir le Japon se poursuivaient de façon encore plus intensive. Pendant que la bataille de Manille faisait rage, une importante force de débarquement amphibie
Constitué de porte-avions, de croiseurs, de destroyers et de cuirassés de la 5e flotte de l'US Navy, faisait route à toute vapeur vers l'île d'Iwo Jima, à 1500 km au sud du Japon. Normalement inhabité, Iwo Jima fait 6 km de long et un peu plus de 3 km dans sa plus grande largeur. Elle est dominée à sa pointe sud par le mont Suribachi, un ancien volcan inactif haut de 180 mètres. L'objectif était de transformer cet amas de rochers et de cendres volcaniques en un immense aérodrome pour les B-29 de Curtis LeMay et les P-51 Mustang d'escorte. Ceci permettrait aux bombardiers de LeMay d'être encore un peu plus près du Japon pour aller frapper les villes japonaises. L'attaque contre Iwo Jima commença par 10 semaines de bombardements aériens intenses et 3 jours de bombardements navals pour briser les défenses japonaises. Puis le 2 février 1945, vers 2h du matin, l'opération Detachment, l'invasion d'Iwo Jima, commença. Un déluge de bombes s'abattit sur l'île et 70 000 marines se préparèrent pour le débarquement. Juste avant 9h, les premières vagues de soldats américains prenaient pied sur les plages. À leur grande surprise, ils ne trouvèrent aucune trace d'ennemis. Pendant un bref instant, ils pensèrent que ces semaines de bombardements intensifs avaient réduit à néant les défenses japonaises. La réalité de la situation était tout autre. Les bombardements intensifs américains avaient laissé la garnison d'Iwo Jima, forte de 23 000 hommes, pratiquement indemne. Elle s'était réfugiée dans un réseau très étendu et complexe de tunnels, de bunkers, de postes de tir et de positions d'artillerie. Soudain, le ciel fut rempli par le tonnerre du plus important barrage d'artillerie et de mortiers que la plupart des soldats américains aient jamais vu. Il venait des positions japonaises sur le mont Suribachi. Les Marines avancèrent vers l'intérieur de l'île dans un paysage lunaire, incapables de creuser leur trou dans le sable volcanique et n'ayant d'autre option que d'avancer face aux tirs de barrage. Beaucoup furent taillés en pièces par les mitrailleuses installées dans les bunkers camouflés. Au crépuscule, les pertes se montaient à 2500 hommes. La scène fut décrite par un reporter comme un cauchemar en enfer. En dépit de ces pertes, les troupes américaines se rapprochaient doucement de la base du mont Suribachi. Les troupes défendant la montagne se retrouvaient prises au piège. Mais le 5e jour de l'opération, une patrouille de Marines parvint à atteindre le sommet et à y déployer le drapeau américain. Peu de temps après, 5 Marines et un infirmier de la Navy levèrent un deuxième et plus grand drapeau américain au sommet. La photo spectaculaire de cet événement fit le tour du monde. Elle symbolisait le courage des hommes du corps des Marines. Mais la bataille pour Iwo Jima était encore loin d'être terminée. 3 des hommes apparaissant sur la photo de Joe Rosenthal furent tués peu de temps après, et les 2 derniers poursuivirent le nettoyage de l'île, renforcés par la 3e division des Marines qui progressait mètre par mètre et qui, lors de la conquête de l'île d'Iwo Jima, subirent de très lourdes pertes. Les chasseurs-bombardiers et les navires de combat positionnés au large apportèrent une puissance de feu indéniable, mais les grenades, les charges de démolition et les lance-flammes furent les armes les plus efficaces pour neutraliser les Japonais dans leurs bunkers. Au cours des combats qui durèrent 1 mois, les Japonais furent progressivement chassés de leurs caches souterraines, mais au prix de très nombreuses vies américaines. Finalement, le 26 mars 1945, après 35 jours de terribles combats, la bataille était terminée. De la garnison japonaise de l'île, soit 23 000 hommes, à peine 1 millier avaient survécu et fait prisonniers de guerre. Les Américains avaient, eux, perdu pratiquement 30% de leurs effectifs, dont 7 000 hommes tués. En fait, les Américains avaient subi plus de pertes que les Japonais. Bien que les Alliés disposent enfin d'une base plus proche du Japon, d'où Curtis LeMay pouvait lancer ses bombardiers, le combat pour Iwo Jima donnait un aperçu terrible de ce qui attendait les combattants affectés à la prochaine opération d'importance dans le Pacifique, qui devait être l'invasion d'Okinawa.
En Europe, les armées alliées commandées par le général Eisenhower étaient prêtes pour le dernier acte. Leur objectif était d'éliminer toutes les forces allemandes à l'ouest du Rhin et ensuite de lancer l'offensive finale au cœur de l'Allemagne. Les troupes de Montgomery débutèrent l'offensive le 8 février par l'opération Veritable. Les Britanniques et les Canadiens attaquèrent les positions allemandes sur une étroite portion de territoire située entre la Meuse et le Bas-Rhin, épaulée par un barrage d'artillerie de 1000 pièces qui dura 5h30. Du soutien était prévu de la part de la 9e armée américaine engagée dans l'opération Grenade pour traverser la Ruhr un peu plus au sud. Mais les troupes du génie allemand dynamitèrent les barrages qui contrôlaient les rivières de la zone, provoquant une immense inondation. L'opération Grenade devait donc être repoussée jusqu'à ce que le niveau d'eau baisse, laissant la 2e armée britannique et la 1e armée canadienne combattre seules dans des conditions météo désastreuses. Finalement, le 23 février, l'opération Grenade débuta. La 9e armée américaine lança son assaut contre la Ruhr, tandis que le général Bradley et son 12e groupe d'armée enclenchaient sa propre offensive contre le Rhin, opération Lumberjack. Le 7 mars, les soldats de la 9e division blindée s'emparèrent du pont Ludendorff à Remagen avant que ses défenseurs allemands n'aient le temps de le faire sauter. Le général Bradley donna immédiatement l'ordre à la 1ère armée de faire passer le plus de troupes possible sur ce pont. Patton était également très actif. Le 21 mars, la 3e armée avait encerclé plusieurs divisions allemandes. 24 heures plus tard, Patton et ses hommes traversaient le Rhin entre Mainz et Mannheim et cette tête de pont fut rapidement sécurisée. En 6 semaines, les Allemands avaient perdu 290 000 hommes à l'ouest du Rhin. Les Alliés étaient en train de franchir le dernier obstacle naturel important à l'ouest. La Wehrmacht ne pouvant plus faire grand-chose pour empêcher les Américains et les Britanniques d'avancer vers Berlin. Winston Churchill, le premier ministre britannique, arriva le 24 mars. Il traversa le Rhin et posa le pied sur la rive est du fleuve, un geste très symbolique. Churchill était pressé d'avancer vers Berlin, mais compte tenu du nombre élevé de soldats perdus, le 28 mars 1945, Eisenhower prit une décision au début des dernières opérations de la campagne d'Europe du Nord-Ouest. À la grande déception de Churchill, Eisenhower, qui avait pour souci de ne pas aggraver le bilan des pertes humaines, déclara que Berlin n'était plus un objectif militaire majeur, laissant ainsi les Russes s'emparer de la dernière place forte d'Hitler. Assez surpris par la nouvelle, Staline ordonna au maréchal Yukov et au maréchal Koniev de venir au Kremlin pour planifier l'offensive finale de l'armée rouge contre l'Allemagne nazie. Bientôt, les Soviétiques allaient recommencer à avancer et en 2 mois à peine, la guerre en Europe allait prendre fin. Le compte à rebours final commençait pour Berlin. La fin du Troisième Reich.